Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, on va tout d'abord voir mes invocations que j'ai fait sur le portail de Piccolo en off, puisqu'à quelques jours d'intervalle, j'ai pu faire deux multis et sept singles en tout. On va du coup les regarder, et puis après, on ira faire une autre chose dans la deuxième partie de la vidéo, que je ne vais pas vous dire tout de suite, sinon ça va vous spoil toute la vidéo. Mais je vous conseille de regarder jusqu'à la fin par rapport à l'invocation. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Et vous pouvez également me soutenir via YouTube en regardant quelques pubs directes. Donc là, on va regarder ma première série d'invocations. Hop, je relance. Donc elle a été faite. Quasiment le jour de la sortie du portail ou deux, ou le lendemain. Ok, donc l'équipe au complet, mais ça ne veut rien dire. Ichika Bachkada, relâchez Rainbow. Tenshinhan, pour l'instant, on n'a rien de très très fou. Un Goku SSJ2 qu'on a eu 10 milliards de fois pendant un temps. Un Piccolo. Un Mr. Satan. Un Nail SR Intelligence. Un Bujin. Ouais, ça, Bujin. Krillin. J'allais dire Gohan. Non, non, c'est Krillin. Krillin quand il a des cheveux. Ensuite, un Tao Pai Pai. Donc là, vous voyez que là, franchement, la première multi. Et un Bergamo qui est devenu très bon avec son éveil. Donc on va pas cracher dessus, même si je commence à l'avoir ou je crois que je l'ai à 100% maintenant. Derrière, il me restait tout simplement 17. Comment dire? 17 DS que j'ai fait en single. Je n'ai rien eu. J'ai pas record les DS. Et maintenant, on va aller regarder tout simplement. Le reste, enfin la deuxième multi que j'ai fait. Du coup, je vais juste cacher ça le temps de retrouver la vidéo. Hop. Hop. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est celle-ci. On est reparti. Hop. Non, c'est celle que je vous ai montrée, celle-là. Non, c'est l'autre. 56, c'est l'autre. Donc on a le trio Miskine. Donc là, déjà, on sait qu'on a un détecteur. Et ça, on apprécie. Après la multi que vous avez vue, sachant que j'ai pas trop de DS, on apprécie beaucoup. Et directement, dès la première carte sur la deuxième multi, j'ai eu Nail. Donc vous l'avez compris. On va aller faire en fait le focus de Nail et je vous en ferai un showcase dans une prochaine vidéo. Je ne l'ai pas encore monté au moment où j'enregistre. Il y a le sel et l'air à farmer. J'ai eu du coup le Gohan Dragonnet à farmer les médailles que je vais vous présenter en showcase également demain normalement. Du coup voilà, j'ai pris un peu de temps. En ce moment, Dokkan, c'est un petit peu compliqué. Du coup, eh ben, on farme comme on peut, on prend un peu plus de temps. Donc là pour l'instant rien d'autre hein, à part le Nail qui est potentiellement très très bon, surtout avec un Piccolo. Donc j'aimerais vraiment avoir le Piccolo. Et malheureusement, je ne l'aurai pas. Je n'aurai pas le Piccolo sur ces invocations-là. Je ne vais pas réinvoquer dessus, je pense, puisque je n'ai tout simplement plus de DS. Et du coup, bah je vais devoir me contenter du Nail. Alors, ce que je vais faire, c'est que le Nail. Je vais le mettre avec mon Piccolo Agilité qui peut me dépanner aussi et je les mettrai dans la même rotation. Nous, ce qu'on va aller voir déjà, on va aller dans l'entraînement. Là, c'était une team comme ça. Alors, vous voyez que j'ai gardé des Nails SR. Pourquoi? Bah, les Nails SR, je vais les entraîner. Je vais les éveiller, bien sûr. Ils vont passer SSR.
Jusque-là, tout va bien. Et une fois qu'ils seront éveillés, hop, je ressors de là, je vais dans l'entraînement. Je reprends mon ail que j'ai commencé à farmer. Vous voyez les SP4. Et vous voyez que j'ai 50% avec les nails de chance, tout simplement, d'avoir un niveau de SP en plus. Donc clairement, je ne vais pas investir de vieux caille sur le nail, puisque à force, il va monter SP10 gratuitement. J'aurai juste à éveiller tous mes nails que je peux en SSR et pouvoir derrière comment dire, l'éveiller et le monter gratuitement entre guillemets. Maintenant que ça c'est fait, on va passer sur la deuxième partie. On va afficher l'écran. Hop là. Donc le Nail, qui plus 3, PV, attaque et def plus 150% pour la catégorie Namek. Donc c'est un leader secondaire Namek. Moi n'ayant pas le Piccolo, ça me fera un leader Namek. Secondaire, mais toujours bon. Attaque, augmente l'attaque et la def de façon infinie, je rappelle, 20% à l'infini pour l'attaque et 20% à l'infini pour la def. Il inflige des dégâts colossaux. Attaque et def personnel plus 100%. Attaque et def plus 100% supplémentaire. Et plus les PV sont bas, plus la réduction de dégâts augmente de 10 à 77%. Lorsqu'il y a un Piccolo dans l'équipe, d'où le fait de le jouer avec un Piccolo, quoi qu'il se passe. Lance une attaque spéciale supplémentaire et garantit un coup critique lorsqu'il y a un ennemi de la catégorie lignée maléfique, lignée diabolique. Donc vous avez déjà compris, le Shokai, je le ferai avec un Piccolo dans l'équipe. Je mettrai le Nail en leader de la catégorie Namek et on fera un test de la catégorie Namek avec le Nail dedans. Célien, Namek, jugement serein, héros, guerrier suprême, guerrier vétéran, vitesse époustouflante et combat acharné. Tac tac tac, ça c'est bon. Ça c'est bien la version éveillée. Donc on le drop par rapport au portail que vous voyez actuellement avec le Piccolo et le Nail. C'est une très 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 bonne unité, honnêtement. Le Nail n'est pas mauvais du tout. Enfin un Nail respecté sur Dokkan. Donc on va le monter et puis on en fera son petit showcase directement. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur Dokkan. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était assez courte, c'était volontaire. Nous, on va se retrouver très très bientôt pour une nouvelle vidéo Dokkan Battle. En attendant, j'espère que vous dropperez les cartes que vous voulez dropper et que vous aurez un petit peu plus de chance qu'on peut l'avoir. Moi, je vais pas me plaindre, j'en ai une des deux. Voilà. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. À plus.